Si est-il un sujet qui fait beaucoup parler. Le 10 février dernier, Pierre Palmade se trouvait au volant de sa voiture, en Seine-et-Marne lorsqu'il s'est déporté sur la voie de gauche, percutant de plein fouet un autre véhicule. L'humoriste a grièvement blessé une femme enceinte, qui a perdu son bébé par la suite, un homme ainsi que son fils, âgé de 6 ans. Une enquête a rapidement été ouverte et des analyses ont été réalisées. Ces dernières ont mis en avant le fait que Pierre Palmade était sous l'emprise de la cocaïne et de médicaments de substitution au moment des faits. Sur le plateau de son émission ce jeudi 16 février, Cyril Hanouna a souhaité évoquer ce sujet. Myriam Palomba évoque tout d'abord le fait qu'il ait pris de la 3-MMC, une drogue de synthèse hyper-addictif. Un nom qui fait réagir l'animateur. Tu nous sors ça comme si on était dans une droguerie. Ils sortent des bails, je ne sais même pas de quoi ils parlent, s'est-il amusé. Par la suite, il a souhaité rappeler, alors je voudrais dire, parce que beaucoup de gens disent que je suis agité, que je parle de cocaïne etc. Alors je vais vous dire, si est-il impossible hein, a-t-il déclaré. Sur le plateau de son émission, Cyril Hanouna a l'habitude de faire passer des messages importants. Ainsi, alors qu'il évoquait la consommation de drogue, il a d'abord affirmé, « Je ne touche pas à ça moi » avant d'ajouter, « Un conseil, n'y touchez pas. » L'animateur parle d'expérience et il précise, « Tous ceux que j'ai vus y toucher, ils se sont tous foutus dans la merde », a-t-il conclu. Par la suite, les chroniqueurs ont évoqué le cas de Pierre Palmade, qui a été entendu plus tôt dans la journée. Placé en garde à vue pour homicide et blessures involontaires, il a d'abord expliqué n'avoir que très peu de souvenirs de l'accident. Il a toutefois reconnu avoir pris de la drogue. Concernant ses derniers souvenirs, Pierre Palmade a déclaré qu'il se souvient avoir fermé la grande grille en fer de sa propriété, et s'y est ensuite un trou noir, a indiqué TF1. Mais pourquoi voulait-il prendre le volant? Il avait décidé d'aller faire des courses dans un supermarché voisin avec les personnes qui l'accompagnaient, est-il précisé. Un terrible accident qui a fait 3 victimes. Pierre Palmade, quelle personnalité lui a rendu visite en premier? L'accident de Pierre Palmade fait beaucoup parler et, sur le plateau de Cyril Hanouna, si est-il Benjamin Locoge qui a fait quelques confidences. L'humoriste était très proche de Muriel Robin, qui a été la première à lui rendre visite. Muriel Robin, si est-il sa mère adoptive, celle qui l'a accueillie dans le métier, lui a mis le pied à l'étrier, a-t-il débuté avant de poursuivre, elle l'a toujours aidé, préservé et elle a toujours été là pour lui. Ainsi, lorsqu'elle a appris que son ami avait eu un grave accident de la route, son réflexe a été d'aller à l'hôpital. Elle n'a appris que le lendemain qu'il conduisait sous l'emprise de stupéfiants, a-t-il révélé avant d'ajouter qu'elle était bouleversée de cette découverte. Pierre Palmade va-t-il retrouver la mémoire et pouvoir donner des indications aux enquêteurs concernant cette soirée? Sa consommation de cocaïne est-elle à l'origine de ce terrible drame ?